Et c'est parti depuis ce matin pour une nouvelle campagne de vaccination contre le Covid. 1 700 000 personnes sont attendues à la place de la nation de Ouagadougou. 4 types de vaccins sont mis à la disposition par le ministère de la Santé. Le lancement de la campagne avec Amadou Ilboudo et Caroline Anwaré. Autorités administratives et politiques sont présentes en soutien à la campagne. Des comédiens et humoristes célèbrent aussi. Le très adulé comédien Babouanga donne le ton. Son choix porte sur le vaccin Johnson & Johnson, un choix parmi 4 types de vaccins disponibles pour le grand public âgé de 18 ans et plus. Je suis champion national de la vaccination. C'est pourquoi moi, j'ai décidé aujourd'hui pour faire me faire vacciner au vu et aussi de tout le monde pour donner le courage à tous ceux qui hésitent de venir faire le vaccin de la COVID-19 pour se sauver, sauver sa famille, sauver ses collègues, sauver l'environnement et sauver son environnement. L'ambition du département de la santé est d'atteindre le chiffre de 2 millions de personnes vaccinées d'ici au 31 décembre de cette année. Cette présente campagne vise 1 700 000 personnes. Elle s'inscrit en droite ligne du plan de déploiement de la lutte contre la COVID-19. Aujourd'hui, nous sommes à une couverture de 4,5%, ce qui est loin de notre objectif de 10%. C'est pour cela que nous avons lancé cette campagne, pour permettre aux populations d'avoir la vaccination à proximité à travers une stratégie avancée qui nous permettra de rapprocher les équipes de vaccination des populations. Et nous pensons qu'au cours de cette campagne, nous pourrons couvrir environ 1 700 000 personnes pour que nous puissions avoir la cible de 10% d'ici le 31 décembre 2021. 4 régions sont concernées par la campagne, à savoir les régions du centre, du centre-ouest, des Hauts-Bassins et du centre-ouest. À terme, toutes les 13 régions sont en projet de couverture par la vaccination. L'ambition est une couverture maximale en riposte à la pandémie.